Quoi? Le fou cheveux conduit aussi à l'enfer? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Seigneur Seban? Names Reborn. Ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, c'est que, dans le témoin puissant précédent, nous avons reçu une nouvelle information. Et cette information est que les faux cheveux ou les mèches qu'on a en position sur nos têtes conduisent à l'enfer. Une femme a vu une autre femme en train d'être torturée à l'enfer parce qu'elle a mis de faux cheveux. Même elle s'éteint les cheveux. Mais quoi? Oui! Toutes les femmes qui s'éteignent les cheveux sont ici. Ici, nous ne serons pas là pour les juger. Nous serons juste là pour vous montrer ce que nous faisons qui est mauvais, qu'on a besoin de changer, on a besoin de laisser. On doit abandonner vraiment ces voies-là si on veut plaire à Dieu. Regardez là, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Les images, encore la vidéo va apparaître ici ou ici, je ne sais même pas où là, mais ça sera là, nous allons tous voir, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, bonjour, bonjour, bonjour. Et comme on l'a dit, bienvenue sur notre bonne. Si vous ne savez pas, c'est que vous êtes nouveau. Dessus, c'est bien tous abonnés. Vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche à côté de s'abonner pour ne pas manquer les notifications sur les nouvelles vidéos. Et de telles vidéos vont venir encore, vont arriver chaque jour sur Science Reborn. Soyez prêts, ça va être chaud. Bien, si vous avez aimé cette vidéo, pour nous signaler, cliquez directement sur j'aime également à la fin de cette vidéo. Que Dieu bénisse vos prières. Ok, c'est parti. Names Reborn. Avant tout propos, vous devez savoir, mes frères et sœurs, vous devez savoir, nous devons savoir que Dieu, il aime beaucoup les femmes. Et il aime tellement les femmes qu'il a donné de bons conseils. Il a dit par exemple qu'avant de se mettre devant lui et se préparer à prier, elles doivent carrément se voiler la tête. C'est-à-dire, elles doivent se fermer la tête. Oui, on ne doit pas voir, elles ne doivent pas laisser leurs cheveux comme ça exposés. Elles doivent prendre un voile, tout simplement attacher la tête et se mettre à prier. Bon, c'est Dieu qui l'a dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc nous, on doit faire quoi? On doit obéir. Et il sait pourquoi il l'a dit. Il sait pourquoi il a dit. Lisez la parole de Dieu, vous allez découvrir pourquoi. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que dans les témoignages que nous avons reçus, on a vu une femme, par exemple, son premier témoignage. Elle a dit que elle, quand elle s'est retrouvée à l'enfer, elle s'est vue être torturée par des démons à cause de ses faux cheveux. Quand elle est arrivée devant eux, les démons lui ont dit que nous allons te torturer ici à l'enfer à cause des cheveux que tu as ajoutés, c'est-à-dire des mèches, des faux cheveux qui se trouvent sur ta tête. Oui, à cause de ses faux cheveux, les démons étaient en train de la torturer. Et ils mettaient un fer chaud sur sa tête carrément. Et ils enlevaient en même temps tous ses cheveux. Et ses faux cheveux en même temps. Ils sont allés plus loin. En fait, dans tous les compartiments, les fossiles, de toute façon, nous allons tout voir ici. Nous allons voir dans cette vidéo. Vous allez comprendre. Ça veut dire que là où les démons vont trouver des faux cheveux sur vous, ils vont carrément vous torturer là. Ils vont mettre un fer chaud. Ça risque de vous faire peur, hein? Mais il faut qu'on vous dise toutes ces choses pour que vous fassiez attention. C'est pas de la blague. C'est réel. Et il y a une autre femme encore qui nous a dit que elle s'est retrouvée à l'enfer. Non, elle n'est pas retrouvée à l'enfer. Elle, il y a un démon. Elle était une chrétienne. Elle était face à un démon. Et ce démon-là, il l'a retrouvé en rêve, dans son sommeil, en songe. Et elle combattait le démon. Elle appelle Jésus, elle appelle tout ce qu'elle veut, ça ne marche pas. Et à un moment donné, le démon lui a dit, est-ce que tu sais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que tu as des choses sur toi qui m'appartiennent. Et ce que tu as sur toi, là, ce sont les cheveux, les mèches qui se trouvent sur ta tête. Et puis, si tu mets tes vrais cheveux là, souvent tu prends plaisir à mettre une peinture sur ta tête. Et cette peinture là, il faut savoir que cette peinture là m'appartient. Toi qui regardes cette vidéo, tu as dit, mais de quelle peinture tu parles? De quelle peinture tu parles, Yann Sribon? De quelle peinture tu parles? Ok, bon, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous sommes dans une vidéo analyse, soyez prêts. La vidéo va afficher quelque part, c'est même pas où là. Mais regardez,
On est prêt? On va se mettre en action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's go, c'est parti. Est-ce que vous venez de voir? Ok, voici. La première image est ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement une femme. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On voit tout simplement une femme qui est carrément là. Et qu'est-ce qu'on remarque sur elle? On remarque qu'elle est bien habillée. On ne voit pas ses seins exposés comme la vidéo d'hier. Tout est normal. Il n'y a pas de problème. À tous les niveaux, on peut dire que tout va bien, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, tout va bien à ce niveau. Mais regardez au niveau de ses cheveux. Au niveau de ses cheveux, on peut voir que il y a une extension. Bon, il y a une couleur qui a été ajoutée à la couleur de ses cheveux naturels. Vous n'allez pas me dire que ce sont ses cheveux naturels qui sont là. Bon, les femmes, réagissez, dites-moi, est-ce que ce sont ses cheveux naturels ou elle a ajouté une couleur? Mais si elle a ajouté une couleur sur les cheveux que nous sommes en train de voir ici ensemble, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est que il y a quelque chose qui n'est pas bon du tout. Et ça, à cause de ça, elle peut se retrouver en enfer parce que la couleur qui se trouve sur ses cheveux a été inventée par un démon. Et ce démon est appelé le démon de la nudité. Le démon de la nudité. Même les sirènes font ça. En fait, ce sont les démons de l'enfer qui inspirent certaines personnes à inventer de telles choses afin de pouvoir condamner les hommes. Oui, d'abord vous séduire. Quand tu vas voir, tu vas dire c'est joli. Est-ce que c'est vilain? Mon mec, quand il regarde, il dit c'est joli. Ce n'est même pas vilain. Mais si Dieu dit il ne veut pas qu'on mette ça sur notre tête, c'est qu'il y a un problème. C'est que les démons vont prendre ça pour faire de cela leur propriété. Et c'est ce qui sera un péché finalement. Quand on passe à l'image qui suit, regardez. What? Qu'est-ce que c'est? On voit clairement ici une femme très belle. Je dis elle est belle. Je dis pas que c'est vilain. Je dis c'est joli. C'est très beau. C'est même plus beau que beau. Mais Dieu dit non, il ne veut pas de cela sur notre tête. Regardez ici. Regardez ça. On voit clairement que cette femme s'est teint carrément les cheveux. Elle a ajouté d'autres couleurs à sa tête. D'autres couleurs à ses cheveux plutôt. Et c'est ce genre de couleurs là que Dieu ne veut pas voir vraiment. C'est ce genre de choses que Dieu ne veut pas voir. Déjà Dieu te dit de voiler la tête. Maintenant, ça veut dire que Dieu fait attention vraiment aux cheveux des femmes. Vous ne savez pas pourquoi. Il y a une gloire, une puissance dedans. Je suppose que c'est pourquoi Dieu a dit de qu'elle ne s'expose pas comme ça. Sinon, vous-même, regardez encore. Regardez vous-même. Regardez. Elle est belle. Ses cheveux sont jolis. Tu vas dire que c'est rose. Mais c'est joli. Le diable a toujours fait de belles choses comme ça pour te séduire. Mais ce n'est pas des choses bonnes à faire. Quand Dieu va venir te chercher, ou encore quand tu vas perdre la vie, Dieu il va venir te voir, il va te regarder comme ça et il va se demander, mais est-ce que c'est comme ça il t'a créé? Est-ce que tu es né comme ça? Mais comment se fait-il qu'il y ait encore des choses assez compliquées sur ta tête? C'est à ce moment-là que tu vas lui répondre. Tu vas lui dire, Seigneur, voici ce qui se passe dans ma tête. Mais qu'est-ce qui se passe sur ta tête? On dit, nous serons torturés. C'est-à-dire, nous allons rendre compte à Dieu pour toute chose qu'on fera, pour toute action, même pour toute parole vaine qu'on aura proférée. Donc, tu ne peux pas t'amuser avec de tels cheveux sur ta tête. Oh, c'est le démon qui a inventé ça. Tu n'as pas me dire que c'est Dieu qui a inventé ça. Hein? Non. Ce n'est pas Dieu. Dieu nous dit aujourd'hui qu'il n'est pas d'accord avec cela. Même si vous voulez plus d'informations, regardez seulement le témoin puissant précédent, la vidéo précédente. De type témoin puissant, vous allez savoir, la vidéo type témoin puissant, numéro 190. Qu'est-ce qu'on voit là ici? On voit encore une autre femme. Une femme vraiment très belle. Elle est plus belle que le mot.
Mais le problème ici, c'est que elle a de faux, elle a des, bon, je sais pas si ce sont des faux ou bien de vrais cheveux. On a du mal même à la confondre, mais t'as des vrais ou faux cheveux. Les femmes, réagissez, aidez-nous. Mais ce qui est visible, c'est qu'il y a deux couleurs sur sa tête. Deux couleurs. Ses cheveux sont de type dégradé. Et on voit un violet pur et un violet qui c'est du rose ou bien c'est du violet. Pour moi, je ne sais même plus si c'est du rose ou du violet. Peut-être il y a du violet en haut, au niveau de là. Et il y a du rose en bas, comme ça. Quelqu'un m'a dit qu'elle aime du rose. Ou bien elle aime les fleurs roses. Tu aimes les fleurs roses? Bon, quelqu'un m'a dit que comme on voit les fleurs qui sont derrière, donc d'après l'analyse, on peut dire que franchement, elle aime la couleur rose. Ok, c'est bien. Si tu aimes la couleur rose, c'est extrêmement bien. Moi, mais j'aime la couleur rose souvent. Mais, de grâce, n'utilise pas une peinture pour positionner cette peinture-là sur ta tête. Sinon, à cause des trucs simples, tu vas rendre compte à Dieu. Même les démons vont te condamner. Parce que les démons, ils ne sont pas compliqués. Il faut te regarder comme ça, de la tête jusqu'aux orteils. Et ils vont chercher comment ils vont faire pour t'accuser afin que toi, tu ne puisses pas aller au paradis. Donc, imagine. Imagine un seul instant où les démons te trouvent dans cet état. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Et là encore, pas de cheveux. Dans la prochaine vidéo, nous risquons de parler des faux hommes. Ha! Là, vous allez dire, what? De quoi tu parles? C'est pas déjà joli! Vous allez comprendre, c'est pas encore fini, ça va recommencer. C'est à cause de ces choses-là, beaucoup de personnes sont dans l'enfer. Moi, je ne pourrais pas voir ces choses et m'asseoir. C'est pourquoi je suis venu vous montrer ces images, afin que vous aussi, vous puissiez voir, comparer cela à ce que vous voyez sur votre tête déjà. Est-ce que c'est ce que Dieu demande dans la parole de Dieu? Cherchez! Si ce que nous sommes en train de vous dire là, c'est pas juste, il n'y a pas de souci. Allez lire la Bible. Mais si la Bible vous dit que c'est juste, cliquez si j'aime. Regardez ici encore. C'est joli comme ça. Il ne sait pas comment il s'arrange à faire. Hein. Mais vraiment, c'est beau. Quand la parole de Dieu nous dit que le diable, c'est vraiment le séducteur, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Regarde. Oh, c'est joli, tu as peut-être t'imaginer même. Eh, si c'est ma femme, de toucher ses cheveux comme ça. Tu as peut-être imaginé. Oh, si ça, c'est sur ma tête, je vais les balancer comme si. Je vais les balancer comme ça. Mais tu penses que les cheveux que Dieu t'a donné là, tu ne peux pas les balancer comme ça, tu ne peux pas les balancer comme si. Entretiens-les, c'est important. Ne mets pas de telles choses sur ta tête. Et après, tu vas aller en enfer à cause de ces trucs. J'ai une femme qui s'est retrouvée en enfer à cause de ça. Et quand quelqu'un. Quand Dieu envoie quelqu'un en enfer pour visiter, c'est-à-dire pour visiter ce qui se passe là-bas, qui nous a raconté son témoignage là, c'est-à-dire c'est une vision qu'elle a eue. Effectivement, elle a vu une femme qui était là-bas. Elle lui demande, mais pourquoi tu es là? Elle disait qu'elle est là-bas en enfer parce qu'elle a mis de fausses, des extensions sur sa tête. C'est-à-dire des ajouts, elle a ajouté des choses sur ses cheveux. Voilà. Et regardez la main même qu'elle a. Excusez-moi, la même qui est là, nous montre clairement qu'il y a quelque chose qui a été ajouté. Oui, regardez la main qui est ici. La même qui est là, nous montre véritablement qu'il y a eu un ajout. Et la couleur de ses cheveux. Si tu es né avec la couleur de ses cheveux, avec la couleur, une telle couleur, comme cheveux, on ne te demande pas de les couper. Ça, c'est ce que Dieu t'a donné. Quand tu ne seras plus de ce monde, Dieu va te prendre avec tes cheveux comme ça. Et toi, il faut bénir Dieu. Mais, dis merci à Dieu parce que tu as de jolis cheveux. Mais il ne faut pas changer de toute façon. Moi, regarde mes cheveux. Et écoutez, regardez les cheveux de cette femme-là. Et regardez moi-même mes cheveux. Est-ce que c'est vilain? C'est pas ignorance au fait des choses. Peut-être qu'elle ne sait même pas que les cheveux qu'elle a mis sur sa tête-là, ce sont les sirènes en général qui font ça. Qui inspirent les gens à le faire. Les sirènes ont beaucoup de choses comme ça sur la tête. Les démons, les sirènes, ce sont des démons. Les démons de type femme. Voilà. Oui. Et ne vous inquiétez pas par rapport aux hommes qui mettent des têtus sur la tête là. Les images vont venir. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans une vidéo de type analyse. Nous sommes chauds aujourd'hui là. Ok, c'est parti. Prochaine image, let's go. Quand on parle d'extension là, sur la tête là, c'est ça. C'est ça,
ce qu'on ajoute sur la tête comme ça là. Les extensions. Bon, peut-être que tu peux ajouter un chignon pour attacher tes cheveux. Bon, je sais pas si ça c'est un problème. Mais moi ce que je sais, c'est que les couleurs qu'on ajoute sur la tête là, comme ça, la couleur rose, la couleur rouge, ça dit toi, aujourd'hui le matin si tu te lèves, si elle est contente, elle va mettre la couleur rouge sur ta tête. Si elle n'est pas contente, elle va mettre la couleur verte. Bon, si elle est un peu contente, elle va dire ok, bon aujourd'hui je suis un peu contente, je vais mettre du rose. Et c'est ça. Regardez. En plus, les tatouages à éviter. Cette fille-là qui nous rendait ce témoignage, elle disait que les démons, en tout cas, les démons venaient la torturer au niveau de la tête. Ils sont maintenant venus au niveau de son bras, de sa peau. Et ils ont remarqué qu'elle avait effectivement des tatouages sur elle. Et ils ont pris un fer chaud, c'était le feu. Et ils ont positionné sur son bras là comme ça. Ce fer chaud là a enlevé la chair. Il fallait l'avoir crié maintenant. Et ça, ce n'est que le début du commencement. Hein? Regardez vous-même. C'est la même histoire. C'est la même chose. Regardez. Ici, elle a les cheveux roses. Mais plus loin, elle a changé la couleur de ses cheveux. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Je pense que oui, ça se voit. C'est évité. La même chose encore continue. La couleur rose. Elle a de beaux cheveux. Est-ce que ce sont les vrais cheveux, les femmes? Regardez, j'aimerais bien savoir. Elle-même, elle est belle. Toi, tu regardes, écoute. Elle est belle. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est trop jolie. Elle est belle comme ça. Mais tu vas ajouter des couleurs encore si tes cheveux jolis là encore. Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Oh, tu es belle. Tes cheveux naturels sont jolis. Je sais même pas. Même les make-up que les femmes ajoutent. Moi, quand je regarde les femmes, je trouve qu'elles sont belles sans make-up même. Elles sont plus belles avec les make-up, sans les make-up qu'avec les make-up. On nous dit que toutes ces choses viennent du monde des ténèbres, que ce sont les œuvres du monde du ténèbres, ce sont les démons qui les fabriquent. Qu'est-ce que tu fais avec? Faut sauver ton âme. Au lieu de chercher à plaire au monde, l'amour de Dieu n'est pas avec ceux qui aiment le monde. Hein? Regardez encore ici. Waouh! Elle est plus belle que belle. Mais elle a une coupe, elle a la couleur de ses cheveux, c'est un mode dégradé. Il y a une partie qui est de la couleur, je ne sais même pas si c'est du noir, c'est du rouge, mais c'est du roux, mais c'est du. Je ne sais même pas. Mais vous connaissez. C'est joli. Pour joli, joli, joli comme ça. Et ce sont des mèches. Là, je peux confirmer que ce sont effectivement des mèches. Vu la finition en dessous ici. Je me dis que c'est pas loin d'être des mèches, hein. C'est-à-dire de faux cheveux. De faux cheveux conduisent forcément à l'enfer parce que ça vient directement du diable. Tu ne sais même pas d'où ça vient toi-même. Même s'ils ont pris je sais pas comment vous expliquer. Même s'ils ont pris du caoutchouc pour les fabriquer. Est-ce que tu as pas du caoutchouc pour mettre ta tête? Toi-même, enlève ce faux cheveux, la faut les brûler, tu vas voir comment ça fait, ce que ça fait. Tu verras qu'il y a quelque chose de grave. L'odeur, ça sent pas bon. Et laisse tes faux cheveux quelque part. Tu vas voir son odeur. Et même si tu vas prendre tes faux cheveux pour mettre des vrais cheveux, hein, on le dit, si tu vas prendre des vrais cheveux maintenant pour mettre sur ta tête, pour dire, ok, quand on parle des faux cheveux, toi tu vas avoir des vrais cheveux, tu vas les mettre des vrais cheveux sur ta tête. C'est la même chose. Est-ce que les cheveux t'appartiennent? Ce sont les cheveux de quelqu'un. Et quand tu mets des faux cheveux ou mets des cheveux d'autres personnes, tu invites des démons à se marier à toi. Parce que tes cheveux-là sont censés être là pour ton mari. Oui. C'est toi, ton mari qui doit toucher tes cheveux. Et quand tu fais ça, tu invites les démons inconsciemment. Tu les positionnes sur toi. Et ils seront calés là comme ça, collés sur toi comme ça. Tu transportes des démons avec toi, mais tu ne sais pas. Tes démons là, ce ne sont plus n'importe quoi. Ce sont tes make-up, tout ce que tu mets sur ton visage, même tes rouges à lèvres. Voilà, quand un problème va t'arriver, tu as dit, ah mes ennemis, mais tes ennemis, ce sont ceux mêmes qui sont tous sur ta tête, mais tu ne sais pas. Est-ce que Dieu t'autorise à faire ça? Même dans l'église, les femmes de Dieu,
Elles savent que Dieu ne permet pas ça, mais elles le font. Parce que tu es pleurs aux humains, tu as perdu ta vie. Il y a une femme, on appelle une femme prophétesse. Elle s'est retrouvée en enfer juste parce qu'elle voulait mettre des cheveux comme ça afin d'attirer le regard de plusieurs personnes, afin qu'on la considère encore plus dans l'église. Afin qu'on dise que « Ah, la prophétesse, elle est jolie !» Afin que tout le monde puisse dire « Oh, c'est elle est la plus belle de toutes les prophétesses ou bien les femmes d'hommes de Dieu dans le pays. » Pour ça seulement, pour des futilités. Elles sont prêtes à faire ça, à désobéir à Dieu. Même les filles qui sont dans le monde là, elles-mêmes là, elles sont bien placées même pour nous dire qu'effectivement, tous les faux cheveux, les mécas viennent du monde des ténèbres. Un jour, il y a une mission qui a fait le tour du monde. On a dit que nous avons révélé l'origine des fonds d'étain. On a dit que c'est pour fabriquer les produits qu'on utilise en général pour mettre sur les teint, sur le visage comme ça. C'est issu des cadavres de personnes décédées, c'est-à-dire les condamnés à mort, ceux qu'ils ont tués. On prend carrément leur chair, bien décomposée, et on ne sait pas ce qu'il faut avec, et ça devient de tels produits. Regardez, ça continue. Regardez vous-même. Ce qui est étrange, c'est que c'est tellement joli. Le diable, c'est vraiment le séducteur. Hein. Le diable, c'est vraiment le séducteur. Le diable, c'est vraiment le séducteur. C'est tellement beau. Regardez. Waouh! Mais dans le ciel ou quoi? Mais c'est joli! Mais Dieu ne permet pas cela. Et ce sont de faux cheveux. Toi-même, tu entends faux. Toi-même, tu entends faux. Faux cheveux. Faux. Ce qui est faux, là, c'est vrai. Et c'est bon. Si tu vas, par exemple, acheter un iPhone. Le dernier iPhone qui est sorti, c'est quoi? Un iPhone XS Max. Et on te dit que cet iPhone XS Max que tu vas acheter là. C'est du faux. Est-ce que tu vas acheter? Non. Vous voyez comment le diable trompe les gens? Faux ongles. On va parler des faux ongles après cette vidéo. Restez abonnés. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ha! Quand on parle des femmes, les hommes aussi sont à côté. Regardez les cheveux de ces deux hommes là. C'est tellement joli que moi, quand je regarde, j'ai envie de faire ça sur ma tête. Mais à cause de l'amour que j'ai pour Dieu, parce que je veux sauver mon âme, je ne peux pas le faire. Regardez-vous-même. Regardez-vous-même. L'enfant et cet homme qui est là-bas, peut-être même qu'ils ne savent même pas que ce qu'ils ont fait sur la tête, c'est interdit. Dieu ne permet pas aux femmes, aux hommes de s'éteindre les cheveux, la tête comme ça. C'est pas permis. Ils ne le savent même pas. C'est à cause de cet état d'ignorance là. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas que nous avons fait cette vidéo là. Vous-même vous montrez des images comme ça. Regardez. Regardez vous-même. Et même s'ils le savent, ils auront du mal à se débarrasser parce qu'ils ont déjà pris goût à la chose. Et les démons se sont déjà installés dans leur cœur. Ils ont déjà pris goût à cela. Ils aiment se voir les têtes comme ça. Ils aiment se teindre les cheveux. Est-ce que vous voyez bien? Et c'est là le danger. C'est là le danger. La parole de Dieu nous dit, ne vous affectionnez pas aux yeux du monde des ténèbres. Mais condamnez-les. C'est ce que nous sommes en train de faire. Si le jour je vais mettre de la teinture sur ma tête, ce jour-là, mes frères, venez et dites, ah, Nyan Sebon, réveille-toi, Jésus revient. Ce n'était pas permis de mettre de la teinture sur ta tête. Nous sommes, nous, entre les frères ici, on doit se donner des conseils pour se soutenir. Mais vous pouvez prier pour moi. Mais quand Dieu nous révèle de telles choses comme ça, et nous avons la possibilité de vous les révéler, nous qui sommes devant vous, avec plusieurs des milliers d'abonnés comme ça, il faut quand même qu'on sauve le maximum d'âmes. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. On ne peut pas se taire. On ne peut pas regarder les personnes aller à l'enfer par ignorance. Regardez. Wow! Mais elle est jolie! Non seulement elle est habillée de façon sexy. Bon, ça, on n'aura pas parlé de ça ici, parce que dans la vidéo précédente, on en a parlé. Mais regardez ça. Sur sa tête. Ses cheveux sont blancs.
ou en gris, en blond. C'est une blonde. Non, ça m'étonnerait qu'elle soit une blonde. C'est plutôt une peinture. Une peinture qu'elle a ajoutée. Comme ça. Juste parce que les gens en font. Parce que les gens le font plutôt. Non, elle aussi, elle s'est dit, mais pourquoi pas? En plus, je suis sexy, je suis belle. Je peux me mettre des choses sur la tête. Ça sera joli. Mais elle n'a pas dit, oh, qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Est-ce que Dieu approuve cette voie-là? Est-ce que Dieu aimerait vraiment que je fasse ce que je suis en train de faire là? Parce que Dieu est là. En vie, combien de temps sur la terre? Moins de 120 ans. Toute ta vie, tu vas t'habiller comme ça. Et en plus, quand tu vas commencer à faire de tes cheveux là, ça va séduire les humains. Les garçons vont te désirer même sexuellement. Et tu deviens du coup un instrument du diable. Un instrument que le diable utilise pour pouvoir pousser les hommes à penser qu'au sexe, matin, midi, soir, rien qu'en te voyant comme ça. Oui! Regardez! Regardez encore! Waouh! Elles sont tellement jolies! Elles sont belles! Regardez! Elles sont plus belles que belles. Dieu vous a créé à son image. Regardez. Quand on extrait, on enlève de ses cheveux cette couleur, la partie qui est teinte là. C'est-à-dire où il y a la couleur, il y a la peinture là. Regardez comment ses cheveux naturels sont jolis. Regardez le noir qui se trouve en bas là. Je suppose que ce sont ses cheveux naturels, c'est ce que Dieu lui a donné. Imaginez, si toute sa tête était comme ça, à la naturelle, jolie comme ça. Oh, on m'a dit, ma chérie, tu es jolie. Mais... comme tout le monde met les peintures, elle s'est dit que pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas changer la couleur de mes cheveux? De toute façon, je veux être moi. Je veux ressembler à moi-même. On ne peut pas me dire ce que je dois faire. C'est Dieu qui va te parler aujourd'hui. Il te dit que tu n'es pas toi-même. Ton corps ne t'appartient pas. C'est juste une enveloppe. Et tout ce que tu fais sur cette enveloppe-là, tout ce que tu écris sur cette enveloppe-là, ça réjaillit sur la lettre qui se trouve à l'intérieur, qui est ton âme. Et à cause de ça, tu risques d'être jugé. Et toi, tu as besoin de changer. Regardez moi-même qui suis un homme là. Excusez-moi. Voilà. Moi-même qui suis un homme là. Regardez juste là, ici. Regardez, mais il ne sait même pas si on appelle ça sourcil ou bien on appelle ça cil. Parfois, il y a des personnes qui disent que tu devais être femme. Regardez, c'est joli, non? Ça, ce sont des trucs naturels. C'est Dieu qui m'a donné. Est-ce que j'ai ajouté une peinture dessus? Donc, ces peintures qu'on ajoute là, comme ça, c'est de la blague. C'est le diable qui utilise ça pour vous blaguer seulement, pour vous mentir. Tu es belle comme tu es. À la naturelle, tu es plus belle que belle. Même à un moment donné là, en vous-même les femmes, vous regardez entre vous et elles se mettent à parler à elles. Elles disent, regarde la fille qui est là-bas là. Qu'est-ce que c'est la tête là? Ce sont ces faux cheveux. regarde ses seins. Ce sont des implants. Regarde ses fesses. Elle a mis des implants là-bas. Toi, tu sais que c'est mauvais. Et puis, toi-même là, tu fais souvent. Et tu es là même pour critiquer les gens. Mais regardez. Oh! Quand on parle des hommes, voilà. Voyez, c'est ce dont je voulais vous parler ici. Des hommes aussi font ça. Ils vont se mettre de ces peintures sur la tête. Voilà. Est-ce que c'est vilain? C'est plus beau que beau même. C'est joli. Mais Dieu dit de ne pas le faire. Si toi tu aimes Dieu vraiment là. Cette vidéo est uniquement réservée aux personnes qui aiment Dieu vraiment, de tout leur cœur, qui veut changer, qui veut pas aller à l'enfer. Vraiment, si tu aimes Dieu, quand tu vas voir ça, tu vas fuir. Tu vas dire non, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre de la peinture sur mes cheveux comme ça. C'est vrai, c'est joli. C'est beau. Mais j'aime Dieu. Je préfère garder mes cheveux naturels. Parce que Jésus revient. Il veut me trouver en bon état. À la normale. Regardez, sans peinture sur mon visage. Sans faux cheveux. Il y a même des hommes qui mettent des make-up. Et en général, quand on met des telles choses sur la tête,
C'est pourquoi? C'est pour que le monde entier puisse nous apprécier. C'est pour que tout le monde puisse dire, wow, tu es joli, tu es beau. Oui. Qui va regarder? Ce sont les hommes. Et les filles, quand les filles vont te voir comme ça, elles qui se trompent leurs copains, bon, leurs maris, leurs fiancés, pour toi, parce que tu es plus beau que beau, tu es mignon. Maintenant, toi, tu vas passer ton temps maintenant à coucher avec une fille, deux filles, trois filles, quatre filles, cinq filles. Et le jour où tu as tapé le sida, tu as dit, Seigneur mon Dieu, tu avais raison. C'est peut-être que tu as crié Dieu au secours. Tu vivais une fille de fornication, tu aimais ça. Mais à cause de ça, tu te retrouves dans les problèmes. Regardez. Oh, mes frères et sœurs, ça devient grave. Regardez encore. Regardez. C'est fait comme ça. Ses cheveux sont carrément de couleur verte. C'est encore interdit. C'est beau. Mais Dieu ne fait pas ça sur vous. Qu'en pensez-vous? Regardez encore ici. Elle a vu un personnage de dessin animé. Hein? Et elle s'est dit, mais pourquoi ne pas la ressembler? Regardez, ce personnage de dessin animé se trouve en bas. Et elle se trouve carrément en haut. Et regardez. Où est la différence entre les deux? Elle cherche à copier ce personnage de dessin animé. Elle n'avait pas réussi. Elle ne sait pas que le personnage de dessin animé qu'elle a là, elle est censée représenter un démon. Une créature du monde des ténèbres. Elle ne sait pas. Pourquoi on dit ça? Parce que, regardez vous-même, c'est un personnage de dessin animé. Tu ne sais même pas qui c'est. Regarde bien. Et toi, tu reproduis. Et regardez ses dents. La couleur de ses dents. Tu t'es même coloré la tête, les cheveux jusqu'à. Maintenant, ce sont tes dents que tu veux colorer. Tes dents blanches qui sont jolies là. Toi, ça ne te plaît plus. Maintenant, tu cherches à les colorer. Tu veux leur donner une couleur. Parce que toi, tu es trop jolie. Regardez. Ouh. Ce qui est étrange, c'est qu'elle est belle. Et ce qui est étrange aussi, c'est que les cheveux, la coupe de cheveux que les femmes mettent souvent sur la tête, ça ferme un œil. Et cet œil qui est fermé là, et l'autre œil qui est ouvert là, c'est ce que nous voyons à l'écran ici. C'est ce qu'on appelle l'œil du diable, l'œil de Lucifer. C'est un œil satanique. Déjà, même par ta coupe de cheveux, on peut voir clairement ici que tu es tenté d'adorer le diable. Et cette image vient pour confirmer qu'effectivement, le diable a investi beaucoup d'argent dans l'industrie des cheveux afin de pousser beaucoup de femmes à faire des choses qui seront contraires à la parole de Dieu, afin de désobéir à Dieu. Est-ce qu'elle sait? Elle a déjà entendu parler du pâte avec le diable. Je suppose. Sinon, si elle ne sait pas, cette vidéo est là pour vous dire que ça, c'est mauvais. Il faut vraiment abandonner ça. It's bad. Un œil fermé, ici. Et un autre œil ouvert, par là. Le tout réuni. Ça forme l'œil du diable. Voilà. Tu fais de tes cheveux aussi. Et ça ferme tes yeux. Ouais, il y a du sueur sur moi comme ça. C'est parce que je suis chaud. Je suis chaud. Il faut qu'on sauve beaucoup d'âmes. C'est notre travail. Et ça. Ouh. Ouh. Là, c'est visible. Là même, les choses commencent à se dessiner. Là même, le diable maintenant ne se cache plus. Ici, le diable ne se cache plus. Il a tenté de se montrer. Il a tenté de se révéler comme ça, face à face. Vous pensez que les cônes qui sont sur la tête sont là pour représenter quoi? Rien n'est fait au hasard. Et elle a même jusqu'à aller atteindre ses cils et ses sourcils. Sans compter ses lèvres. Et voici encore, comment on appelle ça? Une bague qui se trouve dans son nez. Une bague qui se trouve dans son nez. Ça là, ça rend esclave. Oui, ça rend esclave du diable. Est-ce que c'est joli? Parce que les gens font de telles choses, tu te dis que toi, si tu peux le faire. Oh, tu es tenté d'attirer la malédiction. Et tu es tenté de rendre hommage au diable.
ou au démon en mettant des cornes sur ta tête. Voilà. Regardez bien ici. Ses cils et ses sourcils là sont bien colorés. Elle n'est plus comme Dieu l'a créée. Et ce qui est bizarre, c'est que quand les femmes utilisent même les pommades pour se dépigmenter, elles ne peuvent plus redevenir comme avant, elles ne peuvent plus avoir la peau naturelle, c'est fini. Du genre, quelqu'un va dire que le diable t'a détruit. Le diable t'a détruit. Il a détruit ta vie. Parfois, c'est des femmes qui se retrouvent sans cheveux sur la tête. Rien. Regardez. Une femme, un jour, elle allait se mettre des fossiles sur ses yeux. Et ce jour-là, ils ont utilisé de la colle forte. Et cette colle forte en question-là est tombée dans ses yeux blancs, le côté blanc. Imaginez la suite. Tout est devenu rouge. Rouge. Rouge même, à l'intérieur. Rouge. Oh, mes frères et sœurs. Elle était carrément blessée. C'est la même chose qui continue, hein. Les femmes sont tellement jolies qu'elles ont décidé d'être plus jolies que jolies. Plus belles que belles. Jusqu'à vont maintenant désobéir à Dieu en obéissant au diable. On pêche par nos comportements. Et c'est de ça que nous sommes montés de parler ici. Regardez. Quand tu la vois là, est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est belle. Mais si Dieu dit de ne pas le faire, on ne le fait pas. Tu aimes Dieu ou tu aimes le diable? C'est à toi de voir, c'est à toi de choisir. Mais tu vas rendre compte à Dieu un jour. Et la parole de Dieu sera là pour te juger. Regarde là. Regarde ici encore. Waouh! C'est la même fille. Et là, on a l'impression que les deux filles ont un super pouvoir. Un super pouvoir. Mais comment elles font? Elles le font, comment elles le font? Comment elles le font? Et les deux filles ont leurs cheveux aussi. Bon, petits sur les cheveux. Oui. Regardez. Je suppose que leurs yeux qui sont colorés là, en vert et en rose, sont supposés monter. Et c'est la couleur même du pouvoir qu'elles ont. Sont supposés. C'est-à-dire tout ça, c'est supposé révéler quelque chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a pour nous montrer qu'effectivement, ces filles-là ne sont pas simples. Ou bien, qu'il y a vraiment la présence d'un démon là, en elle. Parce que quand quelqu'un a des yeux comme ça là, on dit c'est quoi? On dit cette personne est possédée. Cette personne est djounoulée. Comment vous le dites ça? Les gens disent djounoulée, je ne sais pas comment ils disent. Mais il y a un démon. Et ce démon là se trouve, est passé par sa tête, ses cheveux. Pointé dans son cœur. Et toute sa vie est bouleversée. C'est-à-dire pour pouvoir faire sa délivrance, la délivrance de cette fille en ce moment-là, il faut forcément qu'elle coupe ses cheveux intégralement et elle laisse pousser d'autres cheveux. Parce que ses cheveux naturels ont déjà été infestés par les cheveux du diable à cause de ces produits qui se trouvent sur sa tête. Regardez encore. Regardez. Ce qui m'étonne, c'est qu'elles sont belles comme ça. Et regardez comme son ventre est dehors comme ça, exposé. Hein? Tout est plaqué. Et on marche comme ça, tranquillement, dans la rue. Et on dit, ouh, on est joli. Tu es joli. Il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est mauvais. Ouh. Vous voyez pourquoi j'ai crié même? Ouais, vous avez vu ma réaction? Comme si je venais de voir ça pour la première fois. Il dit, le diable ne se cache plus. Le diable ne se cache plus, même s'il veut la case se cacher. Mais les signes seront là. Et cette image-là, ici, est là pour nous montrer que, effectivement, Dieu a raison. Quand il dit aux femmes de ne pas se mettre des faux cheveux, des trucs pareils sur la tête. Oui, regardez. Elle a carrément une corne. Deux cornes. Sur sa tête, avec, c'est même pas ce qu'elle a sur la tête là, une couronne. En même temps,
Elle est comme enchaînée, vu ce qui se trouve là sur son cou. Et regardez, ses seins sont bombés comme ça. On va carrément, c'est-à-dire ses seins sont carrément devant. Est-ce que vous voyez même? Vous n'avez pas me dit que vous n'êtes pas étonné. Et on voit sur elle deux démons. Où sont-ils? Où sont ces démons-là? Ces démons-là, ces deux démons sont en forme de figurines sur elle. Regardez bien, je compte jusqu'à trois. Une, deux et trois. Quelle est votre analyse? Ok, regardons bien. Regardez, ici, sur son épaule-là, on peut carrément voir qu'il y a un démon. Et ce démon-là existe en réalité. C'est une créature de l'enfer. Ce démon-là existe et existe à l'enfer là-bas. Et ce sont des créatures comme ça que certains satanistes qui font des dessins animés là, viennent représenter dans les films, dans les dessins animés. Et vous pensez que c'est de la blague. Et de l'autre côté, regardez, un autre démon sous forme de poupée. Elle aussi a des cheveux teints. C'est pas quoi là. Voyez-vous? En jaune. Et c'est pas étonnant qu'elle-même, elle ait des cheveux teints en jaune. Ça veut dire que quand on la regarde, on a l'impression que elle aime beaucoup cette fille qui est là. Ou ce démon qui est ici là. Puisque elle cherche à se représenter ou encore se. Comme on le dit là. C'est-à-dire se retrouver en cette créature. Elle cherche à copier tout de cette créature qu'elle a. Mais elle ne sait pas que c'était un démon. Je pense qu'à ce niveau de la compétition, elle est censée le savoir. Oui, moi je pense qu'elle est censée savoir qu'elle sait que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisqu'elle a des cornes sur sa tête. Elle va me dire qu'elle n'a jamais entendu l'expression diable. Quelque part. Ou l'expression les cornes du diable. Si c'est faux, dites-le moi. Quand vous montrez des images au départ là, vous avez pensé que c'était de la blague, non? Maintenant vous-même vous voyez qu'on raconte pas des histoires. Cette image dit tout. Ça en dit long sur le sujet. Et moi-même je finis par comprendre pourquoi Dieu lui-même ne veut même pas que les femmes fassent de telles choses. What a shock! Regardez. Quelqu'un m'a dit, petite soeur, grande soeur. Les deux sont jolis comme ça, je sais pas pourquoi. Vous êtes tout le monde beau. Vous êtes beau à la naturelle. Vous êtes joli à la naturelle. Les cheveux, les peintures, vous mettez sur votre tête là. Même les faux cheveux. Dieu dit n'aime pas. C'est parce que c'est lié avec des démons. Et regardez, c'est visible. Quand vous mettez ça sur votre tête, quelqu'un va dire que c'est comme vous êtes en train d'adorer le diable. Oui. C'est là que tu te dis que les gens font des pâtes, tu dis, les gens font des pâtes avec le diable, oh toi tu n'es pas prêt à faire de telles choses. Mais regarde sur ta tête, tu as de faux cheveux. Quelle est la différence entre ceux qui ont vendu les âmes au diable et toi? C'est la même chose. Et si toi tu dois aller à l'enfer, si eux doivent aller à l'enfer à cause de la pâte, toi aussi tu vas aller à l'enfer à cause de tes faux cheveux, à cause des mèches que tu as mis sur ta tête, parce que c'est un péché. Et le démon va te condamner, il va dire que, oh ma soeur, tu mens, tu n'iras pas au paradis parce que tu as des mécanes sur tout ton visage, tu as des faux ongles et tu as des faux cheveux. Regarde cette image même, regarde toi-même. Je suppose que quand tu vois cette image, tu comprends déjà ce dont nous sommes en train de parler. C'est la démon qui va te parler comme ça, c'est ça la démon qui va te parler ainsi. Hein. Ils vont dire, je suppose que quand tu vois cette image, je suppose que tu sais que nous sommes bien que souvent on a des cornes. Les choses sont plus cachées aujourd'hui. Les choses ne sont plus cachées, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas informé, dites-le moi. Regardez, l'homme, il a ses cheveux naturels. Et il a ajouté des couleurs sur ses cheveux. Pour ressembler peut-être à un personnage de dessin animé ou un personnage d'un film, de son film préféré. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que des démons aussi accompagnent certains dessins animés. Les démons aussi accompagnent certains films. Et ce sont les démons qui sortent de ces films-là, qui possèdent les gens. Et quand ces démons-là sortent de ces films et viennent posséder les gens, vous allez voir, vous allez remarquer cela par leurs œuvres. Et leurs œuvres-là, c'est ça, ce que vous allez voir vous-même, vous allez vous voir faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Vous allez vous demander, mais pourquoi je fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Pourquoi je passe mon temps à me masturber? C'est parce qu'il y a des démons qui sont déjà sortis de ces dessins animés ou des films que tu regardes et qui sont déjà entrés en toi.
Et tu peux même remarquer que tu as te mettre à mettre de faux cheveux pour ressembler à un personnage d'un film que tu as vu. Je pense que le diable fait les choses au hasard. Je pense qu'il a fait, il a mis un personnage qui a les cheveux têtés comme ça, pour rien. Non, il sait ce qu'il fait. Il savait que si il savait que quand il allait utiliser une personne célèbre pour mettre dans un film et faire en sorte que cette personne-là ait des cheveux teintés, vous aussi, ça allait vous pousser aussi à le faire. Si tu vois, par exemple, ta star préférée que tu aimes à cause de ses musiques, si tu la vois, cette star préférée-là, fais ça, je t'assure que si tu n'es pas trop fort, si tu n'as pas l'amour pour Dieu, tu feras la même chose. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi cette fille-là, elle a représenté les mêmes choses que ce qu'elle voit dans les dessins animés. Vous pensez que c'est à ça qu'elle aime le jaune? C'est parce que son personnage de dessin animé préféré est en jaune. Comme ça. Et ce démon-là est entré en elle. Voici comment les démons entrent aux gens et les gens sont possédés sans le savoir. Regardez. Ici, c'est qui? C'est Nyon Sribon. Regardez, nous travaillons dur pour vous donner toutes ces informations. Il ne faudrait pas que notre travail soit vain, mes frères et sœurs. Prenez la décision qu'il vous faut pour sauver votre âme. C'est réel. Dieu est auprès de vous. Changez votre voix et vous sauvera. Mes frères et sœurs, prenez soin de vous. Préparez-vous pour la prochaine vidéo qui ne tardera pas à venir sur Nyon Sribon. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Let's go. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyon Sribon. En dessous de cette vidéo, c'est tout. Abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh!